Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer l'intégrale cosinus au carré de t fois sinus puissance 3 de t dt. Alors regardez, c'est une intégrale et qui contient deux fonctions, une fonction sinus et une fonction cosinus. À votre avis, quelle est la méthode la plus appropriée pour calculer cette intégrale? Donc si on remarque bien, donc plus logiquement, la méthode la plus appropriée à utiliser pour calculer cette intégrale, c'est la méthode de changement de variable. C'est la méthode de changement de variable. Alors, si je vais essayer maintenant de réécrire cette intégrale de cette façon. Regardez. Alors, je peux écrire ça comme l'intégrale entre 0 et x, cosinus au carré de t fois sinus au carré de t fois sinus de t dt fois sinus de t dt. Donc, ici, on a la fonction cos au carré, sinus au carré et sinus de t dt. Maintenant, si je pose u est égal à cosinus de t. Alors, on a du égal à la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus de t dt. C'est-à-dire ici, on a tombé sur le du. Donc ça, c'est quoi? C'est moins du. Alors, reste maintenant à modifier les bornes selon bien sûr ce changement de variable. Donc on a pour t égale x, alors on a u égale à cosinus de x, et pour t égale à 0, on a u égal à cosinus de 0, c'est combien? C'est 1. Donc, on va appliquer ce changement de variable sur notre intégrale. Donc, f6 de x égale à l'intégrale entre les bornes, alors cosinus de 0, c'est 1, donc entre 1 et cosinus de et x, c'est cosinus de x, donc entre 1 et cosinus de x. Cosinus au carré de t, on a posé u égale cosinus de t, donc ici c'est u au carré. Sinus puissance 3 de t, alors on sait que je peux écrire ça comme on a écrit déjà, c'est sinus au carré de t fois sinus de t dt. Et tout ça c'est moins du. Donc, sinus au carré ici de t, c'est quoi? Donc, je peux écrire ça comme, regardez. Donc, on a sinus au carré de t fois sinus de t dt. Donc, ça, tout ça, c'est moins du. Donc, reste à modifier sinus au carré de t. On a fait dans la vidéo précédente que sinus au carré de t, c'est 1 moins cosinus au carré de t. C'est une loi connue. Donc je peux écrire sinus au carré comme 1 moins cosinus au carré de t. Donc cosinus au carré de t c'est u carré et 1 moins fois 1 moins u au carré fois sinus de t dt c'est quoi? C'est moins du fois moins du. Donc on obtient cette intégrale, l'intégrale entre 1 cosinus de x u au carré 1 moins u au carré fois moins du. Donc égal à, donc c'est l'intégrale entre 1 cosinus de x, donc on a ici u au carré moins u puissance 4 fois du avec le signe moins ici. Donc c'est l'intégrale entre 1 cosinus de x. Donc, je peux faire entrer le moins ou bien inverser les bornes, c'est la même chose. Donc, c'est u puissance 4 moins u au carré fois du. Et ça, c'est simple à intégrer.
on ne sait que l'intégrale de e puissance n du, c'est quoi? C'est tout simplement e puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, l'intégrale de e puissance 4, c'est combien? Donc, c'est u puissance 5 sur 5 moins u puissance 3 sur 3. Et tout ça, bien sûr, entre les bornes cosinus de x et 1. Entre cosinus de x et 1. Alors, le résultat final, donc égal à cosinus de x puissance 5 sur 5 moins cosinus puissance 3 de x sur 3. Tout ça moins donc la borne 1 cinquième moins 1 tiers. Et à la fin, on obtient cosinus puissance 5 de x sur 5 moins cosinus puissance 3 de x sur 3. Et ici, on obtient plus 2 quinzièmes. Après, bien sûr, les calculs. Donc ça, c'est le résultat de notre intégrale f6 de x. Donc ça, c'est f6 de x. Maintenant, on va intégrer cosinus de t fois sinus puissance 4 de t dt. Alors, quelle est la méthode la plus appropriée pour calculer cette intégrale? C'est la méthode par changement de variable, l'intégration par changement de variable. Alors, à votre avis, on pose u est égal à cosinus ou bien à sinus. Donc, ici, c'est je pose u est égal à cosinus. Ça sera un petit peu compliqué avec le sinus parce qu'on a sinus puissance 4. Donc, de préférence, d'utiliser quoi? D'utiliser u est égal à sinus de t. Pourquoi? Parce que lorsque je dérive la fonction sinus, je tombe sur cosinus de t dt. Alors, on pose u égal à sinus de t. Alors, on a du est égal à cosinus de t dt. Maintenant, pour les bornes, alors pour t égale x et pour t égale 0. Alors pour t égale x, on a u égale à sinus x et pour t égale 0, u est égal à sinus 0, c'est 0. Très bien. Donc on va appliquer ce changement de variable sur notre intégrale. Donc on a f7 de x égale à l'intégrale entre 0, sinus 0 c'est 0, et x c'est cosinus x. Alors cosinus, on pose u est égal à sinus de t fois du. Donc tout ça c'est du. Donc et, u, donc on a u puissance 4 du. Ici est une fonction puissance. L'intégrale d'une fonction puissance c'est quoi? C'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc est égal à combien? Est égal à u puissance 4 plus 1, c'est 5 sur 5. Bien sûr, les bornes entre 0 et cosinus x. Alors, le résultat final, donc on a f7 de x est égal à combien? Est égal à u, c'est sinus x puissance 5 sur 5, moins bien sûr 0 sur 5, c'est 0. Donc le résultat est égal à sinus puissance 5 sur 5. Donc ça c'est le résultat de deuxième intégrale.